Soyez bénis. Amen. 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 Nous allons maintenant écouter les témoignages rapidement. The testimonies. Les témoignages. The testimonies. Famille d'Awa. Our family. La famille Agnero. And our family. Akobe Natacha. C'est ça? Akobe Natacha. Famille Trazier. Trazier family. Promena Ange. Promena Ange. Kwame Julius, c'est ça? C'est Julius. Julius. Kwasi Germain. Kwasi Germain. Madame Seri. Si vous êtes là, venez rapidement. Nous allons passer au témoignage. You can come here for your testimonies. Dépêchez-vous. Ce que Dieu a fait pour vous. What God has done for you. Passons dimanche. Vendredi important chez vous. Comme ça, chez nous, dimanche important. Important. C'est le dimanche là pour rendre gloire à Dieu. Pour ce qu'il a fait pour nous. Donc on va vous écouter. So we can hear. De temps en temps, rentrer en train de vouloir, c'est bon pour nous. Tout le monde parle un peu de vouloir et comprend. Celui qui ne comprend pas, moi je t'ai interprété ça. Traduit. Awa, viens. Elle avait un problème terrible de sorcellerie. Elle a été amputée. Elle a expliqué qu'elle dormait sa mère. That she was sleeping with her mother. Et puis elle a eu une attaque mystique. She had a mystic attack. Une personne a pris le visage de sa maman. So et puis on l'a attaqué mystiquement. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à sentir quelque chose dans son corps. She felt something in the stomach. Et les deux jours après, il y a eu un coup de fil anonyme. Vous dites, si tu ne fuis pas ta maman, if you don't flee your mother, tu vas mourir. She'll die. Elle est sorcière. She's a witch. Elle a dû fuir. She fled. Donc depuis ce temps, since that period, elle et sa famille, il y a un problème. There's à cause de sorcellerie. C'est quand elle est venue ici, when she came here, je vous informe que c'est des musulmans. Elle a cherché une solution. Voilà. On ne l'a pas rejeté. Les gens disent, non, non, tu es musulman, il faut quitter. Non, nous, on prend tout le monde. Si tu as cru à ici, ah, on va prier pour toi. C'est parce que tu as cru qu'on a dans l'obligation de prier. Et donc, elle a un témoignage. So she has et je lui disais que c'est vrai. I was telling her, ta maman spirituellement, ils lui ont porté un truc de sorcellerie. She has been told, it's part of donc partout on peut l'attraper. So when they're there, we can c'est qui a été fait si elle. Mais comme le détecteur qui est en moi là. As I have a detector, il s'est distingué de celui qui a apporté à vie et celui qui est sorcier. Donc sauf là que le Seigneur m'a dit, elle n'est pas sorcière, mais l'ont habillée comme une habillée sorcellerie. Voilà donc, c'est ce que vous avez vécu ces temps-ci. Entendre M. Bakayoko parler, parce qu'il y a la famille. Ça fait 20 ans que le problème dure dans la famille. 20 ans. Vous dites, après les sorcelleries, ce n'est pas crasso, on fait crasso. Les gens vivent ça dans leur famille. Ils n'arrivent pas à avoir la solution. Et ça les divise. Et il y a des murs de méfiance qui se créent. On se méfie, on a peur de l'autre. Parce qu'on ne sait pas où mettre la tête. Parce que la sorcellerie qu'elle a, tu as joué un sorcier, c'est la sauce arachide. Tu vas te manger. Un peu de dabrou, de dinde, kabato. Il te mange bien. Je ne joue pas une sorcellerie. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rendu ici. Il y a eu une délivrance hier. Hier soir,
Elle a témoigné, donc elle va nous rendre son témoignage. So she is... Awa d'abord, commence par Awa. Oui. Je vous ai dit où? Elle a fait 2 ans qu'elle a eu ce problème là. 2 years that she has the trouble. La nuit, quelque chose est rentré en elle. Elle a dit à sa maman quelque chose, elle a eu quelque chose. She told her mother that she had something. L'année passée. Elle a fait 6 mois. Là, un jour là, nous la maquillons. Un jour, elle est restée couchée près de sa mère. Fono kana zin touché minu là. Quelque chose a touché son pied. Elle a crié. Au soir, manier lui, fono ti dit là et dit là. Le lendemain matin, quelque chose montait dans sa tête. On dit tu moi. Une semaine après, donc kana manya à quelqu'un qui a abusé de la mère. Quand il a allongé au vol, il s'est allongé sur son dos, quand on dit sa main, tiré ses cheveux. Il a dit à sa mère, maman, qui tue mon dos? Donc, à Kanila, elle s'est couchée, sa main. Elle n'est pas sortie de la maison. Elle dit, les hier nuit, quelqu'un a pris ton visage. Quand il a volé, quand on dit sa main, venez se coucher sur moi, tirer mes cheveux. Mais ni un forge. Mon fils est né là. J'avais confiance à ma mère. Moi, c'est lui là, sûrement. Je vais me lever le matin. Moi, c'est le lazin. Quand il était arrêté, je ne pouvais même pas tourner mon cou. Mais pas drado. Je l'avais fait un canard. Derrière la maison. J'ai commencé à laver les médicaments. J'ai commencé à laver les médicaments. Après, donc, quand on est sous l'eau. Un jour, quelqu'un m'a appelé la nuit. Quoi? Awa, on est mort, bon, faut sortir. Moi, il frappe. Sinon, ta maman va te tuer. On a tout le monde, on a tout le champ. Je suis venu au salon. Là. Maman était au salon. La timide, la salon. Elle est dépassée au salon. Non, là, t'as un pote avec qui, maman. J'allais appeler ma grande soeur. Quelqu'un m'a appelé tout de suite là. Si tu ne sors pas, ta maman va te tuer. Elle dit non, faut arrêter ça. Faut pas mentir sur la maman. Donc, on a tout drapeau là. Toujours continuer de laver. Maman, tu es bien connu pour que tu aies le bois qui est. Maman, déjà, en voyage. Maman, Fonyana, on a tout. Elle n'a rien dit. On a ton mariage là. On a une tchè là, dans ma 4 là. J'ai profité de son voyage. On a ta gare là. Fais mon bagage à 4 heures. Moi, je suis sorti de la maison. On a ta bidja. Nous, on a bidja là. Je me suis retrouvé. Nana, Kenya, sur le dos. J'ai retrouvé la santé pour Abidjan. 2 semaines après, Nana, Banana. 2 semaines encore, j'ai. Mais en tant que d'autres là. On est de toi, mais madame est restée aux États-Unis pour faire jouer crasso. Vous avez quelqu'un de la maison. On a un mot de budget officiel. Excusez-moi, je vais ajouter un parenthèse. Vous pouvez parler d'un certain dossier, par exemple, de saut hier. Ce dossier-là, c'est son mari, c'est son neveu qui est de saut Vali. Sa femme qui est la petite soeur de. La dernière de notre maman. Okay. On a reçu un coup de fille après la cérémonie. Okay. Là, elle nous a appelé. Ils sont très gentils. Voilà. Dosso Vanli est le neveu de Dosso. Ah, monsieur Dosso est très gentil. Très, très gentil. Elle dit, ah, si tu es parti là-bas, à Divo, le prophète,
C'est ce que sa tante lui a dit d'espérance. Moi, c'était mon intime, moi, c'était à Nigeria faire le faire. Moi, c'est ça. Je voilà, c'est l'encore du bois ici. Moi, au bout, je lui donne un yama. Parce qu'il vous a mis en rouge. Est-ce qu'il a mis en rouge? D'accord. Moi, c'est qu'il a fait pour moi. J'ai beaucoup d'argent pour partir. Moi, il y a un frère. C'est là. Na la sire la ou on est assis là. Nous n'en sire la lame, nous coutons sire la pour un lame. Après, je suis allé à la sire encore. Et quand dès que j'ai mis le pied encore, j'ai eu très mal à la tête. Quand on va, il faut qu'on y ait un bébé ou blé. Tous mes yeux ont bougé. Faut qu'on ait un enfant, on est qu'on ait un sire là, on est pas là. Mais la nuit est dans ma mère, à chaque fois que j'ai mis un sire là, je tombe malade. Mais quand on voit un coup de l'eau, mais pour les canards, on est pas là. Maman, à chaque fois, quand tu viens à la sire, tu tombes malade. C'est ça, faut partir à Dalois. Je suis à Dalois. Elle est venue à Dalois chez moi. On est en train de me faire. Va si tu es bon, n'y a pas ceci. Donc, on a fait la fête alors. Je tombe malade. Donc, moi, hey, fais la fête. Maman, n'est-ce qui joue le bien? J'ai appelé ma maman et puis je lui ai parlé. Dit que c'est moi qui suis ton ennemi aujourd'hui. Tu me tues. Moi, je suis les frères. Moi, hey, moi, mais je laisse mon Dieu. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Hey, Awa. Maman dit, hey, Awa. Puti là, non. Tu vas voir, on t'enjoint. C'est pas moi. Moi, lève, je dis à la soule. Elle dit, mais je t'ai vu en rêve. Moi, la femme dit à la soule, on sait que tu y en as. Que quand on me montre que j'en reste, c'est la vérité. Merci. Merci. C'est ça. Comment tu es arrivé ici? C'est là, ça n'allait pas. Il y a tout le temps qu'on a fort. Et ça n'allait pas toujours. C'est ainsi que mon oncle a dit. Il faut te rendre à Dibo. À Dibo, Outra. Au prophète Boutaye, comme un mot de lui. On est pas là, mais il est en déplacement. Il y a des gens qui vont t'attendre. Mais on fout, non, on fout, non, le goût, on l'a. Outra, Outra, Benke. Non, 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 tu n'as dit voyer là, maintenant, ça y est le goût. Quand je suis venu à Dibo, le pasteur Bruno, je suis venu sous la pluie même. Quand la pasteur Bruno a dit, je suis venu à Dibo. Moi, je suis à Dawa, oui, il rentre à Divo, puis il faut faire venir. Je suis à la loi, j'ai entendu. Si j'ai un ami, à Divo, chez la femme, il y a plusieurs fois le bocal de Divo. Maintenant, c'est quand il faut arriver devant. Comment on appelle même? La CMPS. Quand tu m'appelles? Il y a la CMPS derrière. Il faut que je fasse venir. Il est venu m'accueillir. Il y en a qui, moi, pasteur, moi, c'est moi, Barreco, à moi. Moi, je suis à Divo, puis d'accord, quand j'arrive. Quand on parle plus tard, ça y est, je suis venu me chercher. Je vais retourner un peu à Dalois. Kawe Kana. Et puis revenir. Nous avons Dalois là. Mais si je suis rentré à Dalois. Au tout ce que. Le lendemain. Faut m'y dire on dit tramant. C'est qu'il était dans mon ventre. Il a commencé à bouger encore. Faut en lâcher les yeux. Je ne pouvais pas. Nazi. Et non, faut. Quand il m'assoit, il vient sous le dos. On dit il faut qu'il boit. On dirait qu'il veut sortir. Et tant pis, je vais partir à Divo encore. Au canal, si que. Ou Djani dit non, ou Bulaka. Il m'a dit qu'il va mettre sur l'endroit et il va prier pour moi. Donc, on a Bulaka. Pasteur Kassieke. Pasteur Kassieke. Merci beaucoup. Mais moi, ça va. Ça ne va pas toujours. Au cas où, il m'a dit il faut rentrer. Et j'ai dit tant pis, je vais rentrer sur Divo. C'est là qu'il y en a Divo. C'est ainsi que je suis arrivé ici. Et j'ai rencontré le pasteur. Je suis mise à la prière. C'est là que je sais que ça va ajuster.
L'évangéliste Joël m'a. J'ai dit à l'évangéliste Joël. Où il a fait ton air que la main, oh pardon. Le jour qu'il a fait ton air, pardon, je vais assister. Je me suis demandé, c'est un film. Vous étiez déjà prophète, donc vous faites le. Pour madame Bagbali. Je croyais que le prophète avait dit, madame, tu es sorcière. Vous faites un enfant pour Bagbali. Le prophète a dit, non, tu n'es pas sorcière. Faut pour l'un donner la main, ça n'a pas utile. Je me suis levé. Puis, pour moi, alors. Hier. Le prophète a fait prier sur moi. Et tu vois beaucoup de choses. Tu entends beaucoup de choses. Mais ah là tu as la vie. Mais je remercie Dieu. Ah là tu as la vie. Je remercie Dieu. Kawika papa tu as. Kawika après remercie papa. Et je remercie mon petit frère. Parce que Allah en sait. Que Dieu a fait que nous soyons. Je n'avais jamais mis Divo. Mais Divo Mais j'ai vu Divo aujourd'hui. Awa à cause d'Awa. Et puis Badenyao. Et puis la famille. Pourquoi tu badais la fille là? On ne laisse pas ses frères. Qui badait la fille. Il y avait quel problème? Il y avait quel problème? À quel année on m'a? Oui. Awa, si c'est cassé, Awa est en fait. Pendant les fêtes, Awa vient chez moi. Non. En quoi temps? Il y a quoi? Ah, mais nous sommes tous badés la fille là. Mais nous sommes tous badés la fille là.
Pourquoi les gens m'ont fui? Néo, ma fille. Non, mais avant elle, il y avait un problème de sorcellerie. Oui, il faut qu'elle explique. Oui, en plein de blé. Ah, il faut m'aider. On a dit que tu es sorcière. Je me vois. Je sais que je ne suis pas sorcière. Parce que tout ce qu'ils font, je ne comprends rien. Bon, d'un don, l'enfant me dit que je suis sorcière. Tellement, Denis, t'as comment faut sort? À cause de ce que la petite a dit. J'ai eu peur de la petite. Ah, n'y a qui n'y a ma. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Aïe, à mine fournie. Qu'est-ce que ça va me dire? Enfin, Awa Kinye. Adja, faut faire le numéro. Adja Kinye. J'appelle Awa Kinye. Faut appeler Awa pour moi. Enfin, qu'à quoi ma camé. Je vais entendre sa voix. Et j'ai dû une l'eau. Elle est où? À mon aîné. Et j'ai dû une l'eau. Est-ce à Kanye? Il en a pas parlé. Il a dit que c'était sorcier. Attends, ne vous dire qu'on a dit une fois. J'ai vu que. Oh, c'est vrai. Que c'est vrai. Ah, Wako. Maman. Ma prof dit, fille dit que je suis sorcier. Il y a un numéro de. Il faut bien. J'ai dit à tout le monde. Oui, baba, que tu es sorcier. Et puis moi, c'est qui veut. Et puis personne ne va t'appeler en fort. D'accord. Ni Moro, ni Baki Kyo. Moi, c'est vrai. Moi, Wako est fort. Ah, Wako dit. Almost Kangi. Personne ne va m'appeler. Ah, Wako, Adja. Mais tu as portable d'habitude. J'ai pu prendre le portable, mais bon. J'ai vu. J'ai acheté mon portable. Parce que je me suis dit. Mais mes profs ne m'appelaient plus. Mais bon, il n'y a pas de temps à faire de où c'est bon. Mais mon grand frère Boubao. Mais mon frère est né. Aninga n'a pas fait. Je suis venu chez lui. Il ne me regarde pas. Non, la fois. C'est pas la peine d'aller en Bidja. Tu ne veux plus venir à Bidja. Non, vous laissez tout là, vous croyez sur ce livre aussi. Il m'a pensé que c'est chez nous sommes morts. C'est bien. Moi, je n'ai pas Bidja. Chez vous, il y a sur ce livre. Oui, il y en a. Aujourd'hui, Anna Layena Bonne, la vie a fait aujourd'hui que je suis blanchie. Oh, le beau sort. Enfin, là aussi, Nikenea. C'est pour ça que je dis que Dieu donne longue vie la santé. Ni n'est qu'à ça, là. Si t'es morte, là. Ah, ton, t'es abonné. Je n'allais pas sortir. Ah, t'es abonné. On allait acheter mes enfants. Et le votre mère sorcière. Aussi, Nikenea. C'est pour ça que je dis que je remercie Dieu. Non, là, tu as là. Je remercie Dieu. En bas de tu as là. Que Dieu me donne ma fille. J'étais accouchée. Ali Kani. Même si tu m'insultes, ça ne me fait pas mal. Ali Dima. Il faut que Dieu me ramène vers moi. Il est allé. Sinon, c'est une dame qui a fait ça. Qui lui a fait ça. Ah. On dit que c'est une dame qui t'a fait ça. On va voir ça. Merci, papa. C'est une dame qui t'a fait ça. Merci, papa. On va te nettoyer. Sinon, en temps normal, toi-même, ton gâteau. On te fera porter la vie de sorcellerie. Voilà. Donc, pour nous, on a un pouvoir. Le pouvoir qu'on a en Christ nous permet de vous aider. Voilà. C'est-à-dire, c'est au-delà. C'est-à-dire, on ne réalise pas la religion. Mais vous êtes en danger, il faut qu'on vous sauve. C'est ce qu'ils nous ont fait. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès ce soir, le travail va commencer. Amen. Elle a une semaine à faire. Puis, ça va, on va mettre fin à ça. Et moi, on va maintenant faire tomber tous tes ennemis. Là. Je peux me faire confiance pour ça. Amen. Amen. Voilà, je suis en train de faire Dieu. C'est que c'est sérieux. Les gens qui insultent les gens, venez vous-même écouter ce qui se passe ici. Vous comprenez? Des musulmans qui viennent témoigner dans une église. C'est que l'affaire devient très sérieuse. Voilà. Elle et moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît même pas. Voilà.
On ne peut pas masquer la vérité. C'est ce que vous devez savoir. Témoignage. Le petit là. Hein? Petit. Hein? J'ai regardé ta vidéo hier. J'ai dit, mais attends. Le micro. Je suis son père. Ah, ok. Ça vous va? Vous êtes arrivé ce matin? Ok, bonne arrivée. Pour résumer, hein, qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu as fait avec ça, et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé hier, et puis maintenant, comment tu te sens aujourd'hui? J'étais sorcière, et c'est mon grand-père qui est en Europe qui a appelé ma grand-mère pour dire que mon voix ici, qu'il y a un prophète ici qui est là pour soigner la sorcellerie. Comme la sorcellerie, c'est comme une maladie. Donc, voilà, que le prophète est là pour guérir de ma grand-mère que l'on voit ici. Et je suis venu avec ma grand-mère. Et puis, le prophète, pour la première fois, m'a appelé, m'a dit que je suis sorcier. J'ai nié, j'ai dit que je ne suis pas sorcier. J'ai discuté avec lui, tout ça. Et après, je suis allé m'asseoir sur les fauteuils. Et puis après ma maman, Marie-Laure et ma grand-mère m'ont donné des conseils. Que si je suis sorcier, de venir m'asseoir sur le banc. Si vraiment je sais que je suis sorcier, que je veux quitter le corps de la sorcellerie, de venir m'asseoir sur le banc. C'est ça que je suis venu m'asseoir sur le banc. Et à plusieurs reprises, le prophète m'a appelé pour venir parler. Je n'ai pas pu parler. Parce que pourquoi tu ne parlais pas? J'avais peur et je sentais que je serais rejeté. On pensait qu'on allait te rejeter. Papa. C'est dans ça. Je m'assieds, on m'assure dans mon coin. À chaque fois, ma grand-mère parle, elle me donne des conseils, elle est venue parler. Et je vais parler. On me mouille avec des sauts, tout ça. Elle voit, elle pleure. Et le. Hier, c'était là, et puis le prophète a demandé qui veut parler. J'ai abaissé ma tête, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Que la souffrance, ma grand-mère, aujourd'hui, n'a qu'à prendre. Que je me suis levé, j'ai pris mon courage, je suis venu pour parler. Et voilà que le prophète m'a délivré. Et par la puissance de Dieu, le prophète m'a délivré. Donc j'aimerais dire merci au nom de ma famille et au nom de toute l'église au prophète. Tu avais tué combien de personnes? J'avais tué 300 personnes. Qu'est-ce que tu avais fait à ton père? J'avais gâté l'influence de mon père. C'est lui qu'on l'a tué le taxi là? Papa. C'est lui, et puis tu dis que tu as un nom qui s'appelle, ton grand-père s'appelle lui, c'est ça? Papa. Comment s'est passé hier au cours de ta délivrance? Tu as vécu quoi? Hier au cours de ma délivrance, quand le prophète était crié feu, feu, tout mon corps me faisait mal et je sentais des choses qui luttaient en moi. Mes pieds, mon bras, quelque chose fort de ma tête. Et après ça, j'ai senti que je suis libre, qu'il y avait un gros fardeau qui était en moi. Et j'aimerais dire merci à Dieu. Et merci au prophète. Que Dieu lui donne longue vie. Afin de beaucoup attraper les sorciers. Longue vie, il va attraper ses collègues, ses anciens collègues. C'est la première fois où il voit sorcier PD. Est-ce que tout ce que tu viens de dire, est-ce que c'est nous qui avons mis ça dans ta bouche? Oui, parce que les gens disent, ah, je suis le prophète, on fait. Non, vraiment, on ne se connaît pas. Ici, on est libre. Tu es libre de parler, tu es libre aussi de ne pas parler. Quand tu ne te sens pas concerné à la chose, mais hier, et c'est effectivement, quand il a parlé, il y a eu délivrance. Les démons se sont manifestés, il a été délivré. Donc, je le rassure qu'il ne pouvait pas être rejeté. Au contraire, c'est maintenant qu'on va l'aider. Parce que ce qui en lui faisait peur. C'est maintenant qu'on va commencer à l'aider et puis lui donner une place dans la société. Voilà, que Dieu te bénisse. Là où tu es quitté là, ou plus parti là. Si tu vas là-bas, eux-mêmes vont te manger. Parce que vous là, vous aimez à checker qu'on appelle les Yougou. Ils vont te braiser, à checker, ils vont te manger. Voilà, donc nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. En fait, tu es une personne. Sorcier, et puis Dieu peut nous délivrer. La sorcellerie, c'est pas un frère en soi. Il est sorcier, mais il a été initié à la sorcellerie.
Ça ne vient pas de lui, c'est quelqu'un qui lui a donné la sorcellerie. Il faut l'aider à abandonner la sorcellerie. Il ne peut pas vivre tout le temps en train de détruire, sachant que ce n'est pas de lui qui vient la sorcellerie. Il a été initié. Et avec l'aide de Dieu, comme lui-même, parce que c'est vraiment très important, la délivrance à ses désirs, comme lui-même voulait abandonner, il a vu l'intervention de Dieu dans sa vie. Il y a eu une lutte parce que la sorcellerie avait déjà pris possession de sa vie. Donc les démons ne voulaient pas partir, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Hier, il a été délivré. Que la gloire revienne au Seigneur. Je veux entendre, quand vous attendez votre fils dit ça, qu'est-ce que vous ressentez? Il dit c'est un soulagement pour moi. C'est seulement j'avais mal au cœur. J'ai appris ce que mon fils est devenu. Mais aujourd'hui, il y a tout ce qu'il a dit. Moi, il y a fait tout. Amen. Je ne pas le. Oui, c'est clair. C'est mon fils, il vient toujours. Oui, oui. Et nous veillerons sur ça. Nous autres, nous allons veiller sur ça. Amen. On va prendre vos contacts. On va se rassurer que le petit est dans les bonnes conditions. Et ça, tu peux compter sur nous. On va veiller de telle sorte que toi-même, là, quand tu partes là-bas, dans ton environnement, que les gens vraiment te facilitent les choses, qu'on ne te rappelle pas ton passé. Parce que c'est vraiment très important. Après ici, il ne faut pas qu'on dise, ah, sorcier, s'il y a Marguerite qui passe, ce n'est plus lui. Si vous voyez un fourmi, ce n'est pas lui. S'il y a Kafa qui se balade près du lit, ce n'est plus lui. Il a été délivré. Mais souvent, on dit, ah, mais ce n'est pas lui qui est en train de venir là. Ce n'est pas lui qui vient là. Peut-être qu'il est en train de faire. Non, il a été délivré. Est-ce qu'il a prêté ses mots? Bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien. Devant les arbres, tu n'es plus retourné à la sorcellerie. Ça, ce n'est pas le prophète Crasso. Si tu retournes, ta parole même va te condamner. Nous bénissons le Seigneur. Je suis convaincu qu'il est délivré. Tout à l'heure, on aura l'occasion de prier pour vous. Allez. Que Dieu bénisse. Vos noms, d'abord votre nom. Je m'appelle Boulay Namari Chatapoulis. Je viens de Dibo. Coming from Dibo. Je viens de Dibo. Ma maison, c'est Dibo. Ma maison, c'est Dibo. From Dibo. Mon mari, c'est Nati. Mon husband is Nati. J'ai rencontré cet homme quand j'avais 17 ans. I met that man when I was 17 years. Maintenant, 10 ans, on est restés ensemble, 10 ans. We stayed together for 10 years. Dans les 10 ans, j'ai dit à mon mari que je suis une sorcière. Mais that I was je n'ai rien à voir avec tout ce que se passe dans sa famille. Parce que ma sorcellerie que je pratique, c'est dans ma famille. That I my family. Au début, ça lui a fait mal. Donc c'est pour ça que, bon, on n'est pas encore allé au loin, c'est pour ça que je dis ça, parce que tu es quelqu'un qui est gentil. En tout cas, tu fais tout pour moi. You're doing everything for me. Tu fais tout pour moi. Donc c'est pour cela que je te dis, je suis en cœur ouvert et je te dis maintenant que je suis sorcier. Donc ce que tu peux me dire, tu peux me dire. So tell me what you know. Et c'est comme ça, quand je lui ai dit ça, il n'a rien dit. Je ne savais pas qu'il cherchait. Il cherchait des gens où on peut enlever la sorcellerie. Marie est courageux. Get out. Très gentil. On a pas acclamé le Seigneur. Quand le mien est ta femme, ça peut te dire. Ça dit, je suis sorcière. Je vais pas pourrir à elle. Le monsieur, il est vraiment. Quand quelque chose arrive, puisque je lui avais déclaré que je viens sorcière, quand quelque chose arrive, il vient m'en parler. Que, ah, comme tu as dit, tu es sorcière, tu as fait tel rêve. Donc, il me dit, c'est très facile. C'est que ça fait. Donc, quand moi aussi je le regarde, je dis, ah, sincèrement, voilà ce que je veux dire. Mais je ne suis pas Dieu. Mais je vais à l'église pour que je cherche aussi. Je cherche une église. Tu es sorcière, il y a des choses que tu as gâtées. Il faut laisser avec ça. Il m'a dit, viens, on va aller se promener. Il dit, ah, on va aller se promener. Il dit, viens, on s'en se promener. Et il a pris sa voiture, il s'est sauté. On a pris l'autoroute. Il dit, ah, c'est pas l'autoroute ici. Il dit, non, comme il y a longtemps, on a vu tes parents. Tu vas aller à Tibo, ça vient des parents. C'est ainsi que je dis. Il dit, d'accord. Ah, puis tu m'as supposé, tu n'as rien, je n'ai rien fait. J'étais arrivé à Tibo, là, on prend tout la main. Il m'a pas dit qu'il y avait un prophète qui arrivait à la sorcellerie sur les gens.
Donc c'est ainsi que nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, so, right. Il dit, mais voici la route de mes parents, de mes frères, mon papa. Il dit, non, il va aller voir. Il dit, mais quand, depuis quand tu connais quelqu'un à Tibouis? Et c'est comme ça. Il dit, non, on va aller saluer quelqu'un à Tibouis. Quand on est rentré, il m'a dit, mais toi, il dit, non, toi, il faut passer. Parce que quand je suis arrivé, on est descendu dans la voiture, sincèrement, je me suis arrêté. Il dit, mais allons, il dit, non, il faut partir d'abord, il faut avancer. Ainsi qu'ils ont avancé, je me suis laissé. Quand je suis rentré, je me suis arrêté encore. Il a regardé derrière, je l'ai suivi. Je ne voulais pas qu'il sente que je ressentais quelque chose. Tu ressentais quoi? Quand je suis arrivé, j'ai ressenti que j'avais un feu. C'est ainsi que les gens nous ont recueillis, on est rentrés dans le groupe. On a reçu le pasteur. Le pasteur m'a reçu, il a reçu d'avant, après ça, le pasteur m'a battu. Il m'a demandé les nouvelles, il m'a demandé si c'est sorcier. Non, il ne suis pas sorcier. Il dit, t'es sûr, tu n'es pas sorcier. Il dit, non, je ne suis pas sorcier. Comme tu dis, tu n'es pas sorcier. Voilà. On est sorti. Quand nous sommes sortis, le même jour, on a dormi. On a dormi, mon mari dit, va payer, puis vous faites payer. Il dit, ah, c'est quel truc pour faire payer. Il m'a expliqué, il m'a dit, moi aussi, je vais faire. Comme le pasteur dit, je suis sorcier, moi, il dit, je ne suis pas sorcier, on va, je vais faire sorcier. Il dit, tu vas payer, il dit, je vais payer. Il dit, mais ma femme, tu m'avais dit une année que tu étais sorcier. Il dit, je ne suis pas sorcier. Qu'est-ce que je t'ai dit là, c'est faux. Il dit, ah, tu n'es pas sorcier. Mais là, le pasteur a tout le jus. C'est seulement je me suis tapé, toi peut-être je suis là. Mais mes frères et sœurs, quand je suis parti, non, ce qui m'est arrivé, une semaine après, ma tête là, on doit en prendre ma tête, je me suis tracé un bien joli, je devais aller l'emmener au travail. Ma tête, on dresse un maton, on prend pour taper comme ça. J'ai dit, je ne dormais pas. Quand j'ai réveillé l'une de mes filles, je dis, viens, te fais cheveux que tu as fait, tu m'as bien défait. Et c'est ainsi qu'elle a défait. Mais malgré ça, elle a défait là. Ma tête, on dirait d'arracher ma tête. D'arracher tous mes cheveux qui sont dans ma tête. Où les sorciers, vous bougez à vos tuyaux. Donc c'est comme ça. J'espère quand matin 5h. Et mon mari s'est réveillé, elle est rentrée. Quand il m'a vu, en tout cas, je n'étais pas bien. Je me suis déshabillé, il a dit, je vais sortir. Il dit, pourquoi que je suis m'attrapé? Je suis devenu folle dans la chambre. Je me suis déshabillé, lui, il a chié sur moi. Wow! Il a chié sur moi. On m'a dit, mais ça, c'est quoi ça? Quelqu'un, mon mari, il dit, on ne peut pas m'envoyer à l'hôpital. Solution de ça, où tu m'as envoyé, tu dis, c'est passé, ou bien quoi, là, vous m'envoyez là-bas. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas dans le palais où je vais enlever l'argent. Il dit donc tu veux qu'il n'y ait qu'à mourir ici. Il dit tu vas mourir ici. J'ai commencé à pleurer. Il dit je ne vais pas mourir pour laisser mes enfants. Il dit mais si tu avais parlé là-bas, voilà. Et c'est comme ça. Jusqu'à mon mari a eu l'argent et puis on est venu. Quand on est venu, en tout cas, où j'étais, quand on était venu, c'est là-bas, je m'asseyais. On ne m'a pas dit. Que va t'asseoir là-bas. Quand je suis arrivé, mon mari était derrière, je me suis avancé avec les enfants. Je suis allé m'asseoir sur le banc, tout le monde me regardait. Les gens me disaient, ah la femme là, elle était venue, c'est son mari, mais elle n'est pas sortie pour aller ce coup là-bas. Et je me suis assise là-bas. Et c'est comme ça. En tout cas, sincèrement, j'ai gâté la vie de mon mari, j'ai gâté son argent. En tout cas, j'ai tué des gens, j'ai tué 14 personnes. Tout ça là. Et c'est comme ça. Le dimanche, le dimanche passé, c'est comme ça le prophète Kassou a prié. Et j'ai reçu mes aveux ici. Et il m'a délivré. Sincèrement, ce qui était dans mon corps, c'était comme. Un fardeau qui était sur ma tête. Mais le jour où il m'a délivré, sincèrement, mes frères du Seigneur, je vous assure, du coup, je suis là même. Je me sens léger.
ma délivrance. The day of my deliverance. Le jour où m'a délivré ma vie. Ils ont appelé mon mari et ma mère gravement malade. On l'a envoyé au tas de dépôts et c'était un pas. They told me that my mother. Quand mon mari m'a dit, je n'ai rien dit. But ça m'a rien dit. Ensuite, je n'ai pas dit, mais tu dis, mais je vais dire quoi? Tu veux que je dise quoi? Où je suis là? Je suis délivré, c'est ce que je dis. Donc la personne qui a la femme, elle va tomber là-bas. Amen. C'est ma maman, je ne me réjouis pas les enfants. Mais c'est Dieu. But God. C'est lui qui fait son travail. Donc c'est comme ça qu'on était là. Une semaine après, dans la même semaine, ils ont appelé mon mari pour dire ma mère. Mais ici, là, je suis ça. On m'a appelé, on m'a dit la nouvelle que ma mère est décédée là. Sincèrement, mon père, papa, ça revient. Le prophète Kasson nous a donné tout le jeûne, j'ai la tout le mois de 21 jours. Et j'ai demandé à Dieu de me donner la force pour que je puisse faire ce jeûne. Mais souvent, même la nuit, je ne mange pas jusqu'en matin. Et je suis toujours dans le jeûne. Donc, vraiment, je remercie mon mari. Au début, j'étais au mari, il s'est délivré. Donc je ne veux plus retourner à la maison, tout le monde va me juger. Parce que je suis la troisième femme de mon mari. Les enfants n'ont plus me parler. Donc si c'est comme ça, moi je vais rester chez mes parents, si vous allez partir. Et mon mari m'a dit, tu es malade. Il m'a insulté et dit, tu ne bouges pas. On va toujours rester ensemble. Et on serait toujours ensemble. Et il m'a dit, si je ne viens pas de ton pied là, je n'allais pas chercher. L'église, où on délivre, on enlève la sorcellerie sur les gens. Vraiment, mes soeurs. En tout cas, cet homme que vous voyez là, vraiment, je ne sais pas, Dieu va toucher mon cœur, je ne sais pas quel cadeau je vais lui donner. Le gars va réfléchir d'abord avant de délivrer sa femme. Cet amour. Ah. Hein? Je suis sorcier. C'est un mot qui fait fuir d'abord. Je suis sorcier. Hein? Nous remercions le Seigneur pour l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Merci. And thank you. Pour la puissante main du Seigneur. C'est le pasteur. Which demonstrates. C'est la miséricorde de Dieu, souffrez que tu n'es pas mort. Mais ne joue pas avec lui. Lui, non, ne joue pas avec ça. Comme Dieu t'aimait encore pour ne pas donner problème à son mari. C'est ça. À cause de ton mari, tu as dégagé. Sinon, tu allais mourir. Sinon, tu mourrais. Mais c'est toute cette grâce-là. Dieu t'a épargné la mort. Parce que tu défies Dieu. Hors de la sorcellerie et tu nies. Que tu oses dire, je vais faire. Mais tu vas payer les conséquences. That you shall pay for. Mais Dieu est trop amour. Nous bénissons le nom du Seigneur. We bless the Lord. Merci beaucoup. Toi, ceux qui connais le cadeau, on lui donne. On lui donne. Je ne sais pas quel cadeau on lui donne. Tu sais? C'est moi. C'est fort, hein? Marie, je suis sorcier, j'ai mal la nuit. Et puis toi, ta mère, elle a dit. Le monsieur, là, il a un bon cœur. Bah. Allons-y. Témoignage. Comment tu t'appelles? Traillé Chaméra. Oui. J'étais sorcier. J'étais initié par ma grand-mère. J'étais sorcière, j'étais initié par ma grand-mère. J'ai initié mes frères et soeurs et j'ai gâté la vie de mes parents. J'ai détruit la vie de mon oncle et la vie de ma tante. J'ai gâté aussi la vie du mari de ma tante. Et dans ça, j'étais à la maison, j'avais une prière de 3 jours. J'avais une prière de 3 jours à l'église, un jeûne de 3 jours. On a pris ce jeûne à la maison et dans ça, le pasteur m'a appelé, le prophète m'a appelé. Et il dit que je suis sorcière.
Donc, personne, non, a eu un peu sa famille. La vidéo de pasteur Rassou, prophète Rassou, dans cet instant, on est venu à Dubo. Je suis venu et il a rencontré le prophète. Prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu nous as vus, qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu vois ta vie? Ma vie est bonne. Tu es délivré ou pas? Je suis délivré. Qu'est-ce qui prouve que tu es délivré? Parce qu'à ma délivrance, il y a ressorti une force de pitombo. Et de mon bras gauche avait une force dedans. Donc, la force de pitombo. Un seul jour, il y a ressorti que j'étais délivré, j'ai bien dormi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, je bénis Dieu. Dieu m'a donné un seul fils. Et cet enfant a allé faire des études bibliques. Il a eu théologie. Il, après théologie, s'est marié dans une église sur place. L'église sur place, la femme là, Gaël est sorcière. Elle a initié tous les enfants. Ma mère a mis son champ en garantie pour que j'aille en Libye. Maman, les enfants sont allés me prendre là-bas. Je m'appelle Martine Seri. Je suis de Soubré. Les enfants sont allés me prendre là-bas. Sur le code de leur maman. Elle m'a dit, maman envoie 30 000 et envoie l'argent. Ils ont renvoyé les enfants. Ton fils ne veut rien faire à l'école. J'ai envoyé les 30 000. Elle a pris l'argent et puis ils ont. Pour résumer, maman. Ils ont travaillé ma vie. Le témoignage. Faut là l'essentiel. Et donc, je suis passé. Quand je suis arrivé, les enfants ont commencé déjà à confesser cela. Je suis passé dans beaucoup de camps de prière. Les deux enfants que vous voyez derrière moi ici, là, c'est des cacamous de tout le monde. Et j'ai cherché l'argent. J'ai une camarade qui est en Europe qui m'a envoyé 35 000 et je suis venu ici. Les enfants là, et ils n'avaient pas à dire pour eux là. Pour eux là, matin, bonheur, ils me disent ce qu'ils ont fait. Mais depuis qu'on est quitté ici, les enfants sont délivrés. Personne ne croit, mais moi je crois. Amen. Les enfants ne voient plus rien. Il dit on est, maman, mémé, on est libérés. Il faut aller à Piguet en sorcellerie. Il faut aller ceci. Aujourd'hui, on a fini avec tout ce travail-là. On est encore en paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà quand son mari est là. Il y a Manu. Ah, il y a Manu. 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 Il y a Manu.
Je voudrais remercier Dieu pour la délivrance de ma nièce qui est là. En fait, je n'ai plus m'occuper d'elle en septembre 2016. Et lorsqu'elle est arrivée chez moi, je ne savais pas qu'elle était sorcière. Et c'est ma voisine, une femme pasteur, qui m'a mis la puce à l'oreille le 1er janvier 2017. Elle est rentrée chez moi pour me dire, en tout cas, ta fille, là, elle est sorcière. Je dis, ah bon, d'accord, j'ai compris. Donc je suis restée là et après, moi-même j'ai fait un songe et dans le songe, j'ai vu la petite s'envoler dans le songe. Comme je disais hier, j'avais l'appui de suivre les vidéos du prophète. Et en songe, j'ai fait un songe où j'ai vu le prophète qui venait il est venu délivrer ma famille. Donc, dans le songe, elle a délivré tout le monde, mais elle ne voulait pas se faire délivrer. Et je la voyais sortir de son corps et s'envoler. Donc je vais vers elle, je dis s'il te plaît, pardon, fais qu'on te délivre. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est pas bon. Elle dit non, elle ne veut pas. Je dis ah bon. Le matin, je me suis réveillée, je t'ai dit en fond, j'étais sorcière, elle n'a rien dit. Et puis, ma petite a fait une vision. Dans la vision, elle a vu la mission pour laquelle la petite fille est venue chez moi. La petite était assise sur un trône, tout ça. Elle était une reine. Donc là, quand elle a vu ça, elle lui dit, bon là, ça c'est vraiment compliqué, il faudrait que je fasse quelque chose. Bon, ils m'ont conseillé de l'envoyer au village. Mais moi, je ne voulais pas. Il y avait un combat à moi, parce que je ne voulais pas l'envoyer. Il dit, je suis allée la prendre au village. Et tu ne peux pas la ramener comme ça. Il y avait un combat. Aller la délivrer ou l'envoyer au village, c'est vraiment un combat. Moi-même, je n'étais même pas à l'aise. Jusqu'à un dernier moment, j'ai pris la décision. Je dis, je ne vais pas l'envoyer au village. Parce que je ne sais pas quel enfant elle a initié ici. Je ne sais pas non plus quel dégât elle a fait. Si je vais la déposer au village, comment est-ce que je saurai tout cela? Il faut que je l'envoie chez le prophète. Parce que tel que j'ai vu en songe, je pense qu'il pourra délivrer ma famille. Amen. C'est là que quand j'ai pris mes congés, bon, je l'ai prise pour venir ici. Et effectivement, quand on est arrivé, au début, elle voulait nier. Mais après, je l'ai exhorté, lui dit bon de parler, que c'est un esprit, ils vont la délivrer de cet esprit, elle sera tranquille, tout ça. Donc, j'ai eu à la convaincre, et elle a fait les aveux. Elle a fait les aveux hier. Je m'appelle Ange. J'étais société initiée par ma grand-mère. Oui, qu'est-ce que s'est passé après? Tu as initié, tu as fait quoi et maintenant comment tu le sens? Je voulais délivrer la vie de ma famille. Maintenant on est venu ici pour faire ma délivrance. Mes soeurs libres. Hier qui était couché ici, mon papa a dit non, comment on va la délivrance? Puis ça va la délivrer, il était couché. Maintenant que ma chère est sortie de mon corps, ça a soufflé ma vie pour ses parties. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Je voudrais dire merci au Seigneur parce que moi aussi j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Parce que quand j'avais mes menstrues, en tout cas c'était très terrible. Et j'avais des douleurs atroces. Et lorsque je suis allée à l'hôpital faire les examens, ils m'ont dit que j'avais une maladie bizarre, endométrie, une maladie au niveau de l'utérus. Quand tu as ça, tu ne peux pas enfanter. Et mes ovaires avaient augmenté de volume et puis j'avais des fibromes. Donc quand la dame m'a dit qu'il fallait 300 000 francs par injection, je devais faire 3 injections. Et on devait me faire une opération chirurgicale. Et on devait aussi prendre des médicaments pour mes ovaires. Et c'est en tenant ma prescription un médicament, il faut prendre ça pour la douleur au niveau de tes menstrues. Quand j'ai pris l'ordonnance, j'ai dit, moi, si je paye ça, c'est que Jésus n'a pas été meurtri à la croix. Donc j'ai pris l'ordonnance, j'ai jeté ça dans mon tiroir. J'ai dit, ça là, c'est Dieu qui va me guérir. Je bénis l'Éternel parce que hier j'ai été délivré ici. Et je prends ma vie. Valérie, c'est la fille de ma petite soeur.
confiance. Moi, je ne savais pas qu'elle était sorcière. Et une fois, je suis allée à l'église, et puis un homme de Dieu qui m'a dit que la fille de ta petite soeur est sorcière. Donc, je suis venue dire à ma petite soeur que ta fille est sorcière. Elle dit oui, c'est vrai, qu'elle est sorcière. On l'a amenée chez les marabouts féticheurs partout, on a passé partout, on a bu l'air partout. Elle n'est pas en ville à Abidjan. Nous ai donné une main pour nous. Quand c'est là comme ça, je mets une fois assis et tout, je fais tout. Mais c'est encore toujours là. Et c'est comme ça, un jour je suis partie sur les lettres et puis j'ai vu le papa. Donc quand j'ai regardé, j'ai appelé mes camarades et puis on a commencé à regarder. J'ai dit, ah, il a dit, bon, c'est que je vais chercher transport, on va aller là-bas. Donc c'est comme ça, j'ai cherché transport. J'ai pris le numéro, j'ai appelé, et puis on est arrivé. On est arrivé, par la grâce de Dieu, ça s'est passé dans le délivré. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à prophète Rassou. Et Dieu. Merci beaucoup. Demande la petite, je vais lui demander. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tanoa Kissi Emmanuela. Tu étais sorcière? Oui. Tu mangeais quoi? Je mangeais l'homme. Hein? Tu as mangé beaucoup un peu? Oui. Beaucoup? J'ai mangé un peu. Un peu? Tu es délivré? Oui. Tu es sûr que tu es délivré? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout, remercier le Seigneur pour ses différents témoignages. Voilà, nous sommes personnellement édifiés pour dire encore que Jésus-Christ est le même. Et s'il a fait pour ces personnes, en fait aussi pour vous. Et remercions le Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, merci. Et nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Et merci que la gloire et l'honneur nous reviennent. Pour ta bonté et pour ta fidélité. Louange, honneur à toi seul. Dieu merveilleux, puissant que tu es. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta Seigneurie et pour ta puissance. Nous te rendons toute la gloire. Merci notre Dieu. Et la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.